Après son éviction du ministère de la Réconciliation nationale, Kakabé, le violeur des femmes, s'est livré à un exercice plutôt étrange, surtout lorsque l'on connaît la proximité qu'il a avec le régime du despote Alassane Dramane Ouattara. Cette révolution de palais s'apparente à une énorme manipulation pour se rapprocher et infiltrer l'opposition politique ivoirienne. Ça fait 20 ans qu'on se bat. Et depuis que Koufou est mort, tout est mort avec Koufou. On n'a plus le temps de nous battre. On n'a rien ajouté en plus. Je dis bien, on n'a rien ajouté en plus. Ce pont qui a été inauguré et qui porte le nom de M. Bédié si heureusement. C'est quoi son histoire? Ce pont-là, Bédié l'avait déjà conçu. Les financements avaient déjà bouclé. On a même dédommagé tous les riverains. C'est comme ça qu'il y a le célèbre maquis de la Bâche Bleue a été transféré à l'aéroport. Et on a même mis le premier coup de pioche. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera comme un fruit mûr. Je vais décréter la chienne et je rendrai la Côte d'Ivoire un gouvernement. Et récemment, la femme m'a prendre disait une chose. Quand elle va pas dit, il fait. Oui, elle va pas dit, il fait. Je frapperai ce pouvoir et ce pouvoir est tombé. Je rendrai la Côte d'Ivoire un gouvernement. Comment peut-on bâtir un pays dans un port dans un pays gouvernant? Oui, maintenant qu'il n'y a plus personne pour frapper le régime moribond, maintenant qu'il n'y a plus personne pour décréter la chienie, maintenant qu'il n'y a plus personne pour rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, on peut comprendre qu'on puisse bâtir des ponts. Voilà la raison qu'il faut obtenir. Depuis 2000, on a inauguré en 2015, 15 ans de retard sur un seul pont. L'autoroute du Nord. Koufou a construit sa chose jusqu'à Saint-Gobain. Et Babo est venu terminer le poursuit jusqu'à Yamoussoukro. Oui, c'est Babo qui a construit le tour du Nord. Le pont de Jacques Ville, le pont de Jacques Ville qu'on appelle aujourd'hui pont de Saint-Philippe, c'est Babo qui l'a bâti. Les milliards qu'on va faire pour lui aussi dernier. Je n'ai pas encore vu un début d'exécution de ces milliards. Et il continue encore d'en promettre. Et même sa Sandra qui a promis 18 000 milliards. C'est ce que je sais faire dans ma vie, mobiliser des fonds, c'est ce que je sais faire dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, Ouattara n'a pas encore ouvert la première page de tout son programme et son projet qu'il a promis aux Ivoiriens. 5 ans après, tu as inauguré le pont de l'autoroute de Bago, c'est bien. Tu as inauguré le pont de Jardin, c'est bien. C'est pas toi qui as fait le pont. Le pont de Dieu, c'est pas toi. Ouattara a fait toi pour la commune. Il n'y a que lui et Captain Duncan qui voient leur chiffre de croissance. Tous les matins, la télévision, on nous prend l'air. Et que la Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens ne sentent pas ça. Et ils vous disent, est-ce que c'est pas en mange? Est-ce que c'est pas en mange? Les Ivoiriens veulent manger. Et on dit, l'argent travaille, parce que l'argent ne circule pas. Mais parce que l'argent circule en famille. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que je me rends compte qu'on peut gouverner un pays comme la Côte d'Ivoire en famille. Le président de la République et son petit frère jumeau, un président, un gère l'argent du pays. Et c'est cela. Et on ne peut rien dire, on ne doit rien dire. Ça fait 5 ans que Ouattara est président. Il n'y a jamais eu un seul circuit de protestation, une seule marche de protestation dans un pays.